Un vendredi soir de septembre, un cri retentit chez moi. C'est ma sœur qui a vu descendre par le soupirail un rat. Dans ma cave, il se planque, mais je finirai par le trouver. Si je le vois, je lui flanque une de ses raclées. Des sachets de morora sur le sol sont dispersés. Qui aurait pu prévoir ça, que c'est son plat préféré? Et tous les sachets disparaissent, on les retrouve vidés. Mais plusieurs preuves il nous laisse. Il n'a pas encore clamsé. Si un jour je l'attrape, et je l'attraperai. Si un jour je le frappe, quand je le tiendrai, je le torturerai. Je le tuerai, je l'égorgerai, je l'éviderai, je l'empaillerai, je l'accrocherai à ma cheminée. Comme un cerf ou un sanglier, premier gibier, premier trophée. Ça fait maintenant 2 semaines qu'il survit chez moi. Je l'ai aperçu à peine 2 fois dans mon tour de garde du jour. Armé d'un beau gros bâton, battant le sol en tambour. Derrière lui ses ultrasons, il a pris à toute vitesse ses pattes à son mini coup. Dégarpir entre deux caisses, mais s'en fallut pas de beaucoup pour que je balance tout heureux mon bâton entre ses yeux. Ses petits yeux noirs immondes, mais qui font pas peur à tout le monde. Si un jour je l'attrape, et je l'attraperai. Si un jour je le frappe, quand je le tiendrai, je le torturerai. Je le tuerai, je l'égorgerai, je l'empaillerai, je l'accrocherai à ma cheminée. Comme un cerf ou un sanglier, premier gibier, premier trophée. Un petit point positif qui n'est pas à négliger, je suis obligé de ranger pour retrouver le captif fugitif. Aucune issue de secours, non, tu ne t'échapperas pas. Ah, peut-être un bon recours, j'ai fait descendre le chat. Mais ce pleutre se coire, complètement apeuré. Non seulement à peur du noir, mais des rats, faut le remonter. Dans la cave à provision, notre fidèle gastronome préfère le plastique, le bon carton que les pommes. Si un jour je l'attrape, et je l'attraperai. Si un jour je le frappe, pas quand je le tiendrai. Je le tuerai, je le tuerai, je le tuerai, je le tuerai, je le tuerai. Cela fait près de 2 mois que nous cohabitons. Tous les matins je descends avec mon bâton, et là derrière l'étagère, j'ai vu frémir sa queue. Doucement j'éteins la lumière et je ferme les yeux. Et sans le moindre murmure, mon pied pousse sur le bois. L'étagère se coule au mur, j'entendrai une dernière fois un petit cri si strident qui dans le dos vous fait froid. Une gouttelette de sang coulera, coulera pas, coulera. Moi qui avais enfin trouvé un adversaire à ma taille, ah, ces pensées de fierté, j'aimerais tant qu'elles s'en aillent. J'ai tué un être vivant, oui, c'est moi qui ai gagné, mais il méritait autant que moi de m'écraser. Ah, ces pensées de torture, je les ai pas vraiment pensées. Je le voyais dans une chaussure doucement se reposer, et je l'aurais recueilli dans une petite cage dorée, puis rendu à sa famille dans les égouts du quartier. Et parfois en souvenir de ce cache-cache prolongé, il serait venu l'après-midi, le dimanche à l'heure du thé, autour d'un morceau de tarte. On aurait joué aux cartes. Si un jour on m'attrape, et je sais que vous m'attraperez, ne commettez aucun acte que vous pourriez regretter. Car sachez-le, autrefois, un rat aussi j'ai chassé. Je suis mort, voyez en quoi je suis réincarné.